Les condoléances de la télévision algérienne à toute l'équipe du Mouldia d'El Bayed. Nous avons d'ailleurs fait un tour au vestiaire tout à l'heure avant de monter ici dans les cabines pour aller saluer le staff et les joueurs. La voici, cette équipe emmenée par Abdelhaq Belaïd, Morsli Berriah, Boutchicha Khmeissia, Amaouchi, Baraka, Antar Sirawi, Belmiloud, Belaribi. Et Hitala, le 11 de départ choisi par Belaïd sur le banc Hamzaoui, Bouhoussi, Bounama. Et alors, on est à Bounama, Brahimi, Ghannam, Belroul et Abbas. Voilà le banc. Le trio arbitral, Boukouas Aliès, c'est le patron au sifflet et en noir aujourd'hui, assisté de messieurs Hani et Dahman, quatrième arbitre, monsieur Kebab. Équipier de Zemamouche qui vient de perdre sa maman, nous lui présentons ses condoléances, on l'a appris tout à l'heure sur la route pour ici à Biskra. La compo choisie par Zerdoud aujourd'hui, Melala, Boukaroum, Lakhdari, Adouane, Belkacmi, Zarnoun, Douadji, Hamoudi, Marwan, Siam et Baali le 11. Sur le banc, Amri Salem, Derbal, Medden, Khoualed, Larbi, Dakhia et Derfellou. Voilà le banc de l'USB aujourd'hui. Et c'est un ancien de l'USB qui va m'accompagner aujourd'hui. Sinon, je serais un peu perdu avant le début de ce match. Consultant et le technicien qui va m'aider pour ce match, c'est Farid Belala, entraîneur, technicien, troisième degré, plutôt degré A, que vous venez de terminer à l'ISTS il n'y a pas longtemps, ancien joueur de l'UFC Biskra, entraîneur. Farid Belala, merci de m'accompagner aujourd'hui pour ce choc très important. Mais avant cela, avant de vous donner la parole, une minute de silence. Respectez cette minute de silence. On a entendu fuser depuis les tribunes de Biskra. Rabbi Alhamhom, Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un. Farid Belala, c'est vrai que c'est difficile pour le Bayad de revenir à la compétition. C'est une équipe blessée, en deuil, qui va entamer la compétition face à Biskra aujourd'hui. Mais le sport, et pour honorer les défunts, les joueurs vont tout donner aujourd'hui, très certainement. Ils vont surtout se surmonter. J'ai peur qu'ils sont touchés dans leur mental. Et c'est parti, allez-y. Et c'est. Bonjour, de toute façon, bonjour Riyad et bonjour à tous. Bonjour Farid. Téléspectateurs. Alors oui, c'est vrai, tout à l'heure on en discutait hors antenne. Vous avez dit que cette équipe de Biskra devrait se méfier parce qu'il va y avoir attention à cette peut-être première alerte et la frappe, elle passe au-dessus. Cette équipe d'El Bayed voudra honorer les camarades qu'elle a perdus aujourd'hui en essayant de leur faire honneur. Exactement, Riyad. Et voilà, c'est parti. On va disséquer les dispositifs tactiques des deux équipes dans quelques instants. On va voir ce qu'on appelle traditionnellement le round d'observation. Tout à l'heure, Farid, on a foulé, vous avez foulé cette pelouse du stade du 18 février. Et ce n'est pas le meilleur tapis pour une partie de football, surtout pour des techniciens. Et justement, et ça date depuis longtemps, le stade d'Al Ahly. Je me demande pourquoi les autorités, surtout les autorités locales ici, au moins essayer de retaper le gazon, la pelouse. Moi j'aurais pensé qu'il aurait au moins arrosé un peu avant le début. Dans un mauvais état. Espérons qu'on va voir du beau spectacle quand même. On l'espère. En tout cas, ces deux équipes qui jouent au beau football. Attention, cette équipe de Biskra, on le rappelle, elle est à quelques points. Elle est à 3 points du CRB avant son choc demain face au Mouloudia d'Alger. Ça veut dire, avant le match de demain, si Biskra gagne, elle remonte à hauteur
du Chabab de Belouizdad, c'est vous dire à quel point ça marche bien pour Biskra. Il va recevoir aussi le CRB Belouizdad ici même à l'Aliya dans un match retard. Voilà, il y a beaucoup de matchs de retard aussi pour le Bayad. Il faut le rappeler, trois matchs de retard pour cette équipe de le Bayad et également cette équipe de Biskra qui marche bien à l'extérieur. Je crois 6 points. C'est 9 points. 9 points glanés à l'extérieur pour cette équipe qui se comporte bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, le stade du 18 février est clairsemé. Il n'y a pas beaucoup de supporters. Peut-être qu'ils vont aller, ils vont prendre un petit café, ils vont remplir les tribunes dans quelques instants. Mais en tout cas, ils ont de quoi être fiers de leur équipe cette saison. Sûrement, Riyad, parce que l'équipe ça marche bien dans les 7 derniers matchs. Ils ont glané beaucoup de points. 9 points à l'extérieur et 6 points ici même à l'Aliya. Donc l'équipe voyage bien, surtout à l'extérieur. Donc espérons qu'ils vont glaner encore les 3 points aujourd'hui pour recevoir ensuite le CR Belouizdad. Attention à cette incursion, il essaie de rentrer dans la surface de réparation, c'était Siam. Et il a donne faute. Ou touche, faute. Faute pour Monsieur Boukouassa, donne faute pour les locaux. Ça s'est joué rapidement. Et on va changer de côté. On joue dans le rond central. On est parti là-bas pour Adouane. Le central pour décaler là-bas pour... Je crois que c'est Boukaroum qui est du côté droit. Et c'est Belkacmi qui est côté gauche, du côté de Biskra. Et voilà, on va essayer d'écarter le jeu. Et vous l'avez dit, elle voyage bien. Elle a pris un point à Constantine face à l'excellente équipe du CSC qui a écrasé le Moulia d'Oran jeudi. Et même à l'entente de Sétif. Hein. Et à l'entente de Sétif, c'est vous dire à quel point... À Tizi Ouzou aussi. Hein. À Tizi Ouzou. Et pas face à des petites équipes. Voilà. Avec tout le respect qu'on a pour tous les locataires de cette Ligue 1 professionnelle. Mauvaise transmission. C'était l'Akhdari. Et le ballon qui sort en touche. Au profit de cette équipe d'Al Bayad. Beaucoup de respect entre les deux équipes. Cette courageuse équipe de Al Bayad qui a renoué avec la compétition. Avec Sieraoui qui va jouer cette touche. Ou plutôt Bouchicha. Rapidement, elle lui revient cette balle. Un long coup de pied en avant. C'était pas précis. Ça sort en touche au profit des locaux. Tranquillement. C'est vrai, et vous avez raison Farid, c'est difficile d'évoluer dans une pelouse avec un tel état. Et voilà, les grandes transversales sont difficiles, les contrôles aussi, les rebonds peuvent tromper les joueurs. C'était le cas pour... C'était Bali. C'est impossible, de jouer sur le plan technique. Hein. Alors, pour le plan technique, il faut essayer d'éviter le rebond, d'aller contrôler voilà. Le ballon avant qu'il rebondisse. Sinon, il faut jouer direct. Ça. Voilà, jeu direct avec cette fois-ci Belkacmi, l'homonyme du double buteur. C'était jeudi avec cette extraordinaire remontada de l'USMA qui était menée par Saoura 1-0 jusqu'à la 90e minute. Et Belkacmi qui marque 2 buts à la 89e et à la 95e minute. C'est un des plus spectaculaires retournements de situation depuis le début de ce championnat. Et Belkacmi Abdelhak, c'est plutôt le latéral ici à Biskra. Alors que son homonyme est attaquant du côté de l'USMA d'Alger. Ballon pour les Blancs, d'Al Bayad. Avec ce contrôle favorable, signé Antar Amin, qui va transmettre là-bas le joueur qui chute, pas de faute. Et voilà, c'était peut-être aussi l'adhérence. Alors ça dépend. Est-ce qu'on choisit les crampons ou les chaussures quand on découvre la pelouse? Parce que parfois l'adhérence des chaussures est compliquée. C'est sûrement. Si on choisit les moulés ou les clous ou les vissés. Eh ben voilà, c'est les vissés qu'on les choisit. Vu l'état du terrain. Il faut des longues vis, voilà. Voilà. Donc c'est par rapport à l'état du terrain et surtout à l'état. C'est la longueur de la pelouse. C'est qu'on choisit les vis de. Et on l'a vu tout à l'heure, par endroit, ouais. elle est creusée, il y a des trous et par endroit, il y a une hauteur de pelouse, si on peut appeler ça une pelouse entre guillemets. Donc c'est pas pour une équipe technique. Mais le voilà, nous l'avons vu tout à l'heure dans les vestiaires, on l'a salué, l'entraîneur de cette équipe de Al Bayad, Abdelhak, quelques instants. Bien sûr, il va nous le montrer.
notre réalisateur Naoufel Cheïta, le patron de l'image aujourd'hui à Biskra. On ne manquera rien et surtout vous ne manquerez rien de ce match Biskra Al-Bayat. Attention au sursaut également de cette équipe de Al-Bayat. Très très bonne techniquement, solide milieu de terrain. Et le ballon qui sort en touche. Non, plus perdu un petit peu de... Alors Farid, début de match, les 8 premières minutes, c'est prudent, hein, surtout du côté de Al-Bayat. Un rythme trop long. Hein. Peut-être que cette équipe de Al-Bayat a du mal à rentrer dans le match. Ça fait quand même 3 semaines, c'est long pour revenir dans la compétition. Pour c'est une difficile, équipe. C'est difficile pour nos amis d'Al-Bayat, hein. surtout pour ce premier match. Attention peut-être, le petit coup de sombrero, il y a une main, on demande une main. Que va dire Monsieur Boukouassa? La main, elle est au profit de la défense. Blali Bidi, elle est pour moi et il a raison. Bien vu, monsieur Boukouassa. Et il est dangereux. Regardez, il essaye le sombrero. Il a réussi et il y avait la main. Je crois qu'elle est. C'est qui l'a touché? Non, c'est pas Zermoum, c'est Belkacmi. Alors, coup franc direct. Il y a Antar. Et le gardien qui remplace difficilement le défunt Zakaria Bouziani, le gardien Morsley. Hein, plutôt. Non, c'est le gardien de Biskra, Mellala. Et coup franc à suivre. Voilà, Mellala à l'image. Alors, Farid Mellala qui va botter un coup franc, un droitier un ou, très intéressant, ou hein, un gaucher. Alors, on se parle entre les deux. Le mur est pas vraiment à distance. Monsieur Boukouassa demande aux joueurs de respecter la distance. Alors, dans la ceinture, il a sa petite bombe magique pour dresser la ligne. Je ne sais pas s'il a... Je ne sais pas pourquoi il n'a pas utilisé. Hein. Je ne sais pas si la pelouse va retenir cette peinture. On ne sait pas. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas mis attention à cette frappe. Peut-être la première occasion pour le Mouliad Bayed dans ce match, ici, au stade du 18 février de Biskra. Alors, Belalibi peut-être pour frapper. Non, c'est un droitier. Longue frappe. Oh, elle passe juste à côté. Il n'a pas bougé, le gardien. Hein. Et il se tient la tête. Il se tient la tête, Belalibi. On va la revoir. Elle est passée juste. Regarde. Juste à côté. À quelques centimètres. En fait, elle n'est pas retombée assez tôt. Elle est retombée juste après la transversale. Mais le gardien était battu. Superbe coup franc. Et en plus, il l'a fait passer sur le mur. Hein. Bien frappé, il voulait qu'elle retombe un peu plus tôt, elle est tombée plus tard. Première occasion de ce match, elle est signée du Mouloudia d'Al-Bayat, c'est Blalibi sur ce coup franc qui a manqué le cadre. Mais peut-être que ça va faire rentrer le Bayat dans le match. C'est sûr, là. Et l'US Biskra qui a mais le non, ce que je vois à l'US Biskra. Ils ont du mal à passer les à enchaîner la réaction. Ils ont du mal à sortir d'une organisation défensive. C'est-à-dire que dans la transition, on a du mal à... Transition, attaque, défense, ils ont voilà, du mal pour l'instant. On a du mal à sortir le ballon. Hein. Et voilà, on les revoit. Voilà comment ils sortent le ballon, milieu de terrain, là, avec Douagi, et qui est obligé de revenir derrière. Un bloc médian du côté d'Al-Bayat. Avec un 4-5-1 du côté d'Al-Bayat, dans une organisation défensive. Alors, Zerdoud qui nous avait dit, il ne faut pas le dire avant le match, mais là on peut le dire, il débute toujours en 4-1-4-1, et on va voir comment il fait dans et la transition. Ça change en transition en 4-5-1 ou bien en 5-4-1. Et voilà, pour l'instant, bloc très compact du côté des Blancs. On va le regarder sur un plan large. Que va nous offrir Naoufel Cheïta. Et voilà, on n'avance pas beaucoup, on est toujours au niveau médian du stade. Et là, on va essayer une louche dans la boîte, déviée et sans problème cette fois-ci pour Morsley qui se couche sur la pelouse. Le gardien de l'Bayat. C'était la première fois qu'on s'approche hein, du gardien sur cette louche. Hein. De loin, regardez, déviation de la tête. Mais il n'y avait personne. C'était le gardien. Attention à cette action. Il va se battre. Il est retenu. Que dit l'arbitre? Le danger est encore là. Et le ballon qui sort
en sortie de but, un petit cafouillage dans la surface alors qu'il était tout seul, je crois que c'était Blalibi. Ou plutôt Hitala. Voilà, c'est Hitala, regardez. Le défenseur qui se bat, Adouane, et il a essayé de lui chipper le ballon. C'est avec Adouane, oui, c'est avec Adouane. Adouane, regardez, il essaie de passer devant et il passe la jambe, mais il ne touche pas le ballon. Et le ballon pour il n'a pas touché, il n'a pas touché le ballon parce qu'il l'a joué, l'attaquant, il n'a pas joué le ballon. Et c'est ça le problème de Adouane. Attention, avec cette fois-ci, c'était Blalibi, trop court. Et Belkacemi qui récupère et on va revenir derrière, s'appuyer sur la défense avec Adouane. Et on essaie de s'organiser au côté USB, on essaie de s'organiser derrière. On arrive à récupérer, mais dans la transition... Mais, mais le développement du jeu reste à désirer, hein. C'est au milieu de terrain que ça se passe. Hein. Alors le milieu de terrain, je le répète, du côté de Biskra, c'est Zernoun, Douaji et Hammoudi. Voilà le trio du milieu de terrain. Et avec Merwan Bousselm aussi. Hein. Pratiquement avec quatre milieux de terrain. Bousselm, c'est un avant, mais qui monte aussi souvent au milieu de terrain pour aller chercher la balle. Voilà, bien joué, superbe cette protection de balle. Il fait opposition avec son corps. Et cette équipe, je vous l'ai dit, hein, de le payer. Oh là là, jeu dangereux. Et là, il va prendre un carton. C'était Sirawi hein, qui a tenté le lob et il l'a pris en plein visage. Oula, j'espère que plus de peur que de mal pour... Je pense que c'est la faute du joueur d'El Bayt qui a continué de jouer sur l'Khdari. C'est l'Khdari qui a reçu la chaussure de... Je crois que c'était Sirawi. Hein. Oui, c'est Sirawi. Et il prend le carton. Voilà, on l'avait dit. Merci, merci pour l'image, Naoufel Chaïta, notre réalisateur. Pour l'instant, un arbitrage parfait. Il est sur toutes les actions, beaucoup à ça. Hein. Jusque-là, il est très bien arbitré. Hein. Et je lui avais dit dans les vestiaires, monsieur Boukouassa, faites attention à la pelouse et, sinon... et strappez bien vos chevilles. Donc il est partout parce qu'un arbitre aussi, il doit avoir une condition physique irréprochable. Il doit être sur toutes les actions, être très près. C'est loin, c'est loin. Surtout, toujours à côté, plus près aux actions. Et voilà, la faute pour Biskra et Mellala qui va botter très loin. Un long coup de pied là-bas pour qui? Pour personne, si ce n'est pour le joueur masqué. Il a un grand masque, Khmeissia. En tout cas, lui, on ne peut pas le rater. C'est le numéro 12, défenseur central, avec un masque qui doit peut-être avoir une fracture du nez ou une blessure au visage. Et donc, c'est une protection pour lui. Et le ballon qui sort. Pour Mellala. Et pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. C'est assez lent, assez... Il n'y a pas de rythme. Jusque-là, il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de rythme. Alors, il faudrait peut-être trouver la faille d'un côté comme de l'autre pour essayer de donner de l'entrain à ce match. Et les attaquants de Biskra qui ne trouvent pas pour l'instant, ils ne sont pas mis dans les meilleures dispositions et ça va repartir de l'autre côté. Attention, avec Hitala qui va essayer de passer. Là, c'est faute sifflée par M. Boukouassa. Alors, est-ce qu'il a été fauché? C'est Hitala. Hitala qui aime bien décaler hein, sur la droite. Mais sur la gauche. Mais regarde, pour Lius Biskra, on a du mal à s'organiser en défense. Hein. On a du mal à revenir. Hein. Et voilà, parce que je vous avais dit, normalement, Biskra allait évoluer sur du velours. Et vous m'avez dit, non, il faut se méfier de cette équipe d'El Bayt. Et justement. Aujourd'hui. Et voilà, après ce coup franc, ben, ils sont là, ils sont rentrés dans leur match. Et coup franc, cette fois-ci à suivre. Il est plutôt excentré côté gauche. Alors, c'est un droitier qui va botter, ça va plonger très fort au point de pénalty. Est-ce que ça sera premier poteau? Et on va couper la trajectoire. Peut-être un joueur qui va dévier le ballon. Alors, l'arbitre qui fait un petit peu le ménage dans la surface de réparation. Et ça va aller très vite.
Bien joué, attention, il tente le plat du pied, il a été intercepté, la défense est encore là. Le danger, encore une frappe. Le danger, encore là, encore une fois la défense qui se dégage, un gros cafouillage. Et le troisième frappe est déviée par la défense. C'est chaud en ce moment dans la surface de réparation de Biskra. Peut-être le contre. Et on va revenir derrière, s'appuyer sur Molsley qui dégage très loin. Et le contre sera annihilé. Le ballon qui sort en touche. Mais vous avez raison, la défense... regardez, je vous laisse commenter cette répétition. Première frappe ratée. Non, il faut revenir au départ. Il faut revenir au départ. Et la troisième frappe frappée, peut-être l'action. Une quatrième. Il a bien joué, mais il aurait dû jouer en première intention le premier joueur qui a eu le ballon. Il aurait dû frapper. En première intention. Il a frappé. Il a frappé en force. Voilà. Attention à ce contre. Et le centre, il est contré par Bouchicha. Le voilà, Bouchicha. Aïssa. Et la touche, rapidement jouée, on va encore une fois remettre dans la boîte. Le ballon, il est contré. Et le contre, pas très bien enchaîné. C'était la petite louche de Amin Antar. Elle sort en touche. Trop de déchets techniques, Riyad. Boukaroum, la touche. On perd beaucoup de ballons. Hein. Des deux côtés, enfin. Vous pouvez dire « Oh, vous avez joué à Biskra, on vous le pardonne. » Vous pouvez dire « Oh ». Une ville chaleureuse, très accueillante. Touristique aussi. Hein. Touristique. Qu'il faut absolument visiter. Le paysage est sublime quand on rentre dans la ville et dans la ville également. Et surtout en hiver. Hein. Ben, il fait chaud en été. Hein. Mais en hiver, c'est vrai, il fait beau. Alors... Si vous avez pas d'idée dans les week-ends, prenez la route, c'est pas long. Allez, 4-5 heures de route, 5 heures et quart de route et on est à Biskra. On y mange très bien, les gens sont très gentils, très chaleureux. Et une belle équipe de football. Pour l'instant, il y a du mal face à Al-Bayed. Pour l'instant, il y a du mal. Non, ils sont bien en place à l'équipe d'Al-Bayed. Ils sont bien organisés avec une organisation défensive, avec une défense de zone. On essaie d'attaquer toujours l'espace, on essaie toujours d'attaquer le ballon. Ils sont toujours là, ils sont toujours les premiers à être sur le ballon. Donc, ils sont jusque-là. Peut-être sur une balle arrêtée, on va voir ce coup franc. Et encore une fois, on l'espère bien. Bukwasa, il a du mal. Hein. Il va toujours revenir faire le ménage dans les surfaces de réparation pour éviter les tirages de maillot. Attention au pénalty. Le corner dévié par la défense en deux temps. Et on va se dégager. Voilà. Très bonne relance, mais j'ai parlé trop vite. Récupération des verts. Et faute, monsieur Bukwasa ne donne pas faute et ça va repartir en contre. Attention, c'est du 2 contre 2 et ça va repartir très vite. Attention sur le côté droit, ils sont très en retard les défenseurs de Biskra. Les joueurs de Bayet ne sont pas assez rapides. Attention, la tête, l'ouverture du score, non. Et le ballon qui passe juste à côté, ça aurait pu être l'ouverture du score. Le danger est encore là pour les Blancs et ça va revenir. Peut-être le danger est encore là, on va la remettre encore une fois dans la cage. Et le ballon a été dévié ou pas, en tout cas elle est sortie. Mais qu'ils sont lents les défenseurs de Biskra. Regardez, il était à... Ils ont du mal à entrer dans une organisation défensive. Et donc pour le joueur, l'attaquant de Bayet, c'était un mauvais timing. On revoit l'action et comment on sort le ballon du côté de Bayet. Pourtant, il a bien joué. Hein. Mais l'attaquant avait un mauvais timing. Alors, les actions sont plus nettes du côté de Bayet. Mais c'est plus à cause avant de la... que le ballon arrive. Et c'est encore à cause peut-être de l'organisation défensive de Biskra. Et en bon capitaine de la défense qui a été Zerdoud, il ne doit pas être content. Justement, ce que je viens de le dire, Riyad, on n'arrive pas à rentrer dans une organisation défensive très rapidement. C'est pour animer. Donc on va entrer dans une organisation. Voilà. Et les deux défenseurs étaient en retard. Ils venaient d'arriver, les deux défenseurs. Voilà, c'est les deux actions. Adouane et Khdari. Mais les autres, les trois défenseurs, parce qu'on jouait en transition, on jouait avec cinq défenseurs. Donc ils sont en retard par rapport au porteur du ballon. Heureusement, il y avait un mauvais timing du côté de d'Al-Bayed. Sur son saut pour frapper le ballon, pour se matcher le ballon, il avait un mauvais timing. Donc il est monté trop tard. Il est redescendu quand le ballon lui arrive. Tant mieux pour les Biskra. Allez. Attention, peut-être l'ouverture du score et le penalty. Que dit l'arbitre?
Oh là là. Alors, simulation, que dit l'arbitre? Je pense qu'il n'a pas sifflé le penalty. Hein. Il n'a pas sifflé. Alors, il a sifflé monsieur... 6 mètres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a sifflé? On va voir le ralenti. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre angle? Parce que là, il y a le gardien qui nous gêne. Celle-là, elle est bonne. Oui. Allez, touché. Alors, il a touché le ballon, bien arbitré. Regardez, il touche le ballon pour le faire sortir. Il n'a pas touché. Hein. Il a touché le ballon premier, il a pas le touché, défenseur. Il n'a pas touché, il a touché le ballon. Je, hein, vous, ai la... dit, je vous ai dit qu'il est très près de l'action, oui. L'arbitre, M. Boukouassa. On peut même la revoir pour ceux qui en doutent. Le défenseur a été le premier à toucher le ballon, c'est pour ça qu'il est, voilà. Qu'il est sorti. Et ça repart. Et voilà, quand on rate des occasions, quand on se fait... surprendre, on s'énerve souvent et on fait des fautes comme Dawaji maintenant qui s'énerve avec l'arbitre et qui demande une faute. Il faut garder son sang-froid. Le match ne fait que commencer, on en est à 24 minutes dans cette rencontre. C'est encore long, hein. Et un long dégagement, attention, il faut bien couvrir le ballon. Jouer le ballon, oh, il faut et jouer peut-être le l'ouverture ballon. Du score, heureusement que le gardien était concentré. Melala. Le défenseur, c'est le problème du défenseur, c'est la deuxième fois. L'autre fois, c'est avec Adouel et la deuxième fois avec l'Ekhdari. Voilà. On essaie toujours de... Regardez bien. Si on... Moi, je trouve qu'il était égoïste, il aurait dû passer en retrait. On va la revoir. Il n'a pas essayé de jouer le ballon. Il a essayé de jouer l'attaquant. Mais en premier lieu, il faut jouer le ballon. L'attaquant était trop gourmand. Regardez, il aurait pu récupérer le ballon. Regardez, ouais, il a bien récupéré. Hein. Encore une occasion. Il a bien récupéré. Hein. Encore une occasion pour... Et c'est pas la faute à Melala, là. Et je vous dis, c'est une occasion cause peut-être de la mauvaise défense de Biskra aujourd'hui. Il y a des soucis en défense, hein, du côté de l'USB. Et je cherche du regard Mounir Zerdoud qui s'est rassis sur son banc alors que Belaïd est debout du côté de l'Bayat. Voilà, il faut essayer de s'organiser, jouer tranquillement. Et essayer peut-être d'absorber un petit peu, faire sortir cette défense. Voilà, faire sortir le bloc de l'équipe d'Albaïd. Hein. Regardez-les, avec 5, 6, 7 joueurs. Ils sont bien en place, c'est une équipe bien organisée, bien concentrée pour l'instant, difficile à manier. La frappe de loin, complètement dévissée, complètement ratée. C'est peut-être un signe d'impuissance pour l'instant de Biskra. C'est un signe d'impuissance. Comme vient de faire Dawaji, il n'arrive pas à s'approcher, donc on tire de loin. Frappe dévissée. Et sans conviction. Hein. Absolument sans conviction. Regardez, il s'excuse, le visage crispé. Comme pour montrer un petit peu l'impuissance de toute cette équipe depuis le début de ce match. Avec une équipe d'Albayet pour l'instant qui a aborde très bien ce match. Regarde, il faut patienter. On a encore le temps. On n'a pas terminé la première mi-temps. Il faut patienter, jouer, essayer de jouer. Et un long ballon. Bien joué, bonne récupération. Il est parti, il est passé. Il dribble, il a un joueur en appui. Est-ce qu'il va sortir ce ballon? On sauve le corner et on va dégager très loin. Mal défendu, encore une fois. Ils sont sur tous les ballons. Tous les seconds ballons sont pour Albayad. Ils ont du mal à sortir les ballons, les joueurs de Biskra. Surtout concernant l'arrière droit, il a du mal à cadrer l'attaquant du couloir. Hein. Et moi, je trouve aussi que Ritala, il est excellent premier défenseur. Il va chercher les ballons, à chaque fois, l'attaquant du couloir, il essaie toujours de jouer en duel avec l'arrière droit de l'US Biskra. C'est Ritala. Et c'est Ritala. Il est toujours là sur ce côté gauche et il va chercher le ballon, même quand il est dans les pieds du défenseur. Et sans couverture. Et voilà, donc c'est ces joueurs de Biskra qui se mettent un petit peu en danger. Et là, ils vont essayer de se repartir avec Zernoun. Zernoun pour Belkacemi. Il revient sur Zernoun. Et voilà, déjà le premier rideau défensif, il est composé de Ritala. Regardez le placement de Albaïd. Voilà, c'est en 4-4-2. Voilà. On perd deux balles. Et ça change en 5-4-1.
pour l'instant, bien joué, on revient derrière. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Il faut essayer de s'organiser, voilà. Zarnone, encore une fois, la récupération, je vous l'ai dit, Itala, il est extraordinaire, il est très généreux dans l'effort. À chaque fois, il va essayer de courir pour récupérer le ballon. Ils sont motivés, hein, les joueurs. Très motivés, très motivés. Et vous me l'avez dit avant le match, pour l'instant, il y a le physique. Il fait bon ici à Biskra, il fait pas chaud. C'est un temps parfait pour une partie de football. Et ces joueurs, pour l'instant... Je ne sais pas pourquoi les joueurs du Rio Ave essaient de centrer dans l'axe. Il y a beaucoup de joueurs, il y a 4 à 5 joueurs dans l'axe. L'attaquant Bali n'a aucune chance, il essaie de jouer sur les couloirs. Et le centre, et le dégagement de... c'était Amaoui. Il essaie en diagonale, voilà. Moi je trouve que les joueurs de couloir ne jouent pas assez leur rôle, les deux joueurs de Biskra. Non, on joue beaucoup plus sur la profondeur, parce qu'on est habitué à verticaliser le jeu, c'est ça le problème de l'USB, au moins dans cette première mi-temps. Hein. Essaye d'élargir le jeu. Et voilà, avec Siam qui revient derrière. Et patienter quand même. Hein. Ils ne trouvent pas de solution, ils reviennent derrière, ça... C'est un signe de toute l'impuissance pour l'instant de l'attaque Biskri. Et la faute sifflée contre Khmeissia, l'homme au masque noir, sous le regard de l'arbitre. Il s'excuse, même s'il avait dit quelques secondes avant, j'ai rien fait. Mais il y avait faute. Discussion avec monsieur Boukouassa, assisté aujourd'hui de Hani et de Dahman. Chaouki Boukhalfa, c'est le commissaire du match de la Ligue de Batna. Et coup franc à suivre. Jouer, normalement, il va jouer avec le joueur le plus près. Hein. Premier poteau, couper la trajectoire, l'Akhdali qui va botter. Il y a trop de joueurs dans l'axe. Il n'y a personne, et l'ouverture du score. Oh, il a raté le ballon, je pense qu'il ne l'a même pas touché. Et il va mourir dans les bras de Morsli. On va la revoir, Farid Belal. Là, voilà. Je pense qu'elle n'a pas touché. Hein. Je pense qu'elle n'a pas touché. Non, il ne l'a pas touché. Sinon, trompé par changé de direction. Hein. Trompé par le rebond. Regardez, il est trompé à la dernière minute par le rebond. Voilà pourquoi on disait que la pelouse, elle est non, elle est ici, pas... c'est pas un problème de pelouse. Hein. Ah si, il a été trompé par le rebond. C'est un problème de réaction. Hein. La première grosse occasion pour Biskra, c'était l'occasion la plus nette. Il n'était pas hors jeu, il aurait touché le ballon, il aurait battu le gardien Morsli. Ça aurait fait toute la différence, mais après une demi-heure de jeu, on en reste là. À 0-0. Attention, encore une fois, on cherche. Cette fois-ci, la petite talonnade ne marchera pas. Très concentré, Khmeissia, et ça va repartir avec Itala. Itala qui va essayer de décaler. Et la relance, il va aller envoyer au charbon là-bas, Belalibi. Itala qui revient, lui au duel, il adore ça. Que dit l'arbitre? Pas de faute, encore une fois, Itala qui passe et qui va obtenir le coup franc. Il est extraordinaire ce joueur, il est extraordinaire. Il a complètement pris le dessus sur l'Akhdari. L'Akhdari est complètement complexé devant Itala, il perd à chaque fois le ballon, regarde. D'une vitesse d'exécution exceptionnelle. Hein. Et voilà, il lui enlève le ballon sans faire de faute, et après c'est l'Akhdari qui est obligé de faire faute sur lui. Ça donne le sourire à Boukouassa. Bon arbitrage. Hein. Très bon arbitrage. De Lies Boukouassa, et le voilà. Il est déjà essoufflé alors qu'on a à peine joué 30 minutes. L'Akhdari... Et coup franc à suivre, un genre de mini-corner pour le Bayern. Tout à l'heure, il y a eu un énorme cafouillage. On va suivre ce coup franc. C'est Blalibi qui est parti de côté, ou plutôt... Sirawi. Attention à la tête, il n'y a personne, sans problème pour le gardien. Avantage pour le gardien. Faute de Itala. On va revoir ce coup franc.
bien enveloppé. Alors c'était la tête disputée entre Hitala et Bria, le défenseur qui est monté très haut. Et une mauvaise communication entre attaquant d'Albaïr. Entre Bria et... Et il va faire faute. C'est Belmiloud qui fait faute sur le gardien. Et le voilà, Zerdoud, qui se lève de son banc. Voilà, il lui chuchote à l'oreille Mahendi Kouallo parce qu'il a regardé un peu son crâne. C'est plus un choc qu'une blessure, mais c'est vrai que le cuir chevelu et la peau à ce niveau-là, elle est très fine, donc elle se blesse, on saigne facilement. Facilement, très facilement. Belmiloud va se relever, voilà, très sportivement, et ça va repartir. Et on décale. Pour trouver Belkacemi. Il faut attaquer l'espace, il faut attaquer l'espace là. Le ballon en 1-2 avec Bali. Bali qui va perdre le ballon, faute. L'arbitre laisse l'avantage puisque c'est Antar qui va décaler de l'autre côté. Pas de faute, l'arbitre ne dit rien. Pourtant il a mal. Il a mal Hitala, il ne s'est pas relevé, mais l'arbitre ne dit rien. L'avantage pour Biskra. Est-ce que le ballon va sortir? Il n'est pas sorti, il est capté par le gardien. Est-ce qu'il va arrêter le jeu? Monsieur Boukouassa va voir si tout va bien du côté de Hitala. Il ne bronche pas, il n'arrête pas le jeu. Et il dit jouer, jouer. Parce que le ballon, il n'a pas sorti. Hein. Et mais on va la revoir, on la revoit. Naoufel, si on peut faire un petit rewind, un petit retour. Et il l'a touché, effectivement. Peut-être que... Voilà, maintenant il arrête le jeu et il fait rentrer. Voilà, là, oh là là, la cheville s'est tordue. Bien vu, Naoufel. La cheville s'est légèrement tordue et là ça fait très mal. Et c'est l'homme fort, hein, c'est l'homme fort du côté d'Albaïd. Et avec l'état du terrain, ça. Et pourtant, je lui avais dit de faire attention à ses chevilles, monsieur Boukouassa. Souvenez-vous. J'espère plus de peur que de mal. Oh, il a mal. C'est pas de la comédie. Parce qu'il est mort de faim depuis le début du match, il a envie de jouer. C'est pas le genre à jouer de la comédie. Allez, on espère qu'il va revenir parce qu'il nous régale depuis le début. Hitala. Il y a un autre joueur aussi. Il y a deux joueurs. Deux joueurs à la touche, oui. C'est Belmiloud qui se plaignait de sa tête. Et là, je crois que c'est des crampes. Alors, comment vous expliquez ça? Une équipe qui ne joue pas depuis 3 semaines, on joue 30 minutes, et là il fait des étirements. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire, si on voit le joueur, le 27, avec le problème, peut-être il a mal chauffé, je ne sais pas. L'échauffement? C'est un problème d'échauffement ou c'est le manque de compétition quand même, hein. C'est ça le... Et voilà aussi. Il n'a pas joué pratiquement depuis un mois. Et voilà, il va rentrer. Il demande à rentrer Belmiloud. Voilà, il est revenu. Les deux sont revenus, Hitala et Belmiloud. Et le Beyed est à 11, contre 11. Et long dégagement. Cette équipe de Beyed qui prend tout de suite à la gorge les défenseurs, mais ils arrivent à s'extirper. Faute cette fois-ci, tacle par derrière. Tacle du numéro 25, Sirawi. Youssef. Mais un tacle correct quand même. Hein. Oui, mais il est illicite par derrière. Alors, là, il couvre bien son ballon. Voilà, il a touché le ballon. Hein. Déséquilibré quand même le joueur, bien arbitré. Même si ce n'est pas un tacle dangereux, c'est pour ça qu'il ne prend pas un carton. Quand même un très beau geste technique défensif. Hein. On souligne beaucoup moins. Là, encore une fois, Hitala, cette fois-ci, il fait la faute. L'arbitre laisse l'avantage. Quel défenseur cet attaquant, permettez-moi l'expression. Quel défenseur, Hitala. Attention, il a un peu de champ, il décale sur le côté, on va essayer de centrer, c'est peut-être un peu trop tard, on joue pas assez rapidement du côté de Biskra et on n'est pas les premiers à la chute du ballon, mais cette fois-ci on le récupère. L'Ardad est... Et Léolé pour donner du courage à cette équipe de Biskra pour montrer qu'on est là du côté du public, du stade du 18 février ici à Biskra. Quartier de l'Alia, attention à cette frappe, elle passe loin du cadre. Trop loin quand même. Signé Zernoun.
Il aurait dû gagner du terrain. Hein. Il aurait dû avancer un peu plus. Et chercher un partenaire. On a du mal à avoir des appuis sur cette pelouse. Et c'est trop loin pour tenter ce genre de frappe. Mais on essaie quand même à jouer par rapport à l'état de la pelouse. Hein. Et peut-être il faut déjà cadrer pour espérer tromper le gardien. Au moins cadrer le ballon. Parce qu'on peut avoir la chance sur le rebond de tromper peut-être le gardien de but bien défendu. Récupération. On va lancer encore une fois Itala. Qui met une pression énorme sur la défense à lui tout seul. Il fait un travail énorme sur les défenseurs. Belkacemi. Belkacemi, Bali. Et il est obligé de revenir derrière. Et ballon récupéré par les blancs de l'Bayot. On va essayer de transmettre à Itala qui contrôle. Oh, la passe en aveugle. Elle était superbe si elle avait atterri dans l'épi de Belalibi. Il a des yeux derrière la tête, ce Itala. Superbe la passe. Et ça repart de l'autre côté. Allez, il faut aller la jouer vite pour espérer prendre de vitesse la défense d'Olbayad. Un petit peu esselé, il faut qu'il s'approche un peu plus pour frapper. Allez pour Belkacemi qui met dans la boîte, complètement raté son centre. Je ne sais pas pourquoi il insiste sur les centres. Mais c'est pas un centre, il a juste mis son pied en opposition. Voilà. Il n'a pas. Regardez, il met son pied, regardez, pour centrer. Là, c'est la passe en aveugle de Itala. Superbe. Et le défenseur était premier. Mais sur la frappe, Belkacemi, regardez la passe, sans voir. Hop, derrière la tête. C'était pour Belalibi. Et de l'autre côté, Belkacemi, il a mis son pied en opposition. Il n'a pas contrôlé pour envelopper son ballon. Et c'est parti juste derrière la cage du gardien d'Olbayad. Attention, ça repart de l'autre côté. Il a du champ, mais il a deux défenseurs devant lui. Il faut qu'il garde le cuir. Il revient, il cherche un partenaire démarqué. Le centre, deuxième intention. La tête. Eh, c'est pas le but, il a raté. Sa tête décroisée. Le ballon est encore dangereux. Corner à suivre. C'est la première fois qu'un attaquant prend le dessus sur le gardien, mais il n'a pas cadré. Regarde. Il touche, mais il n'arrive pas à donner son coup de tête. Et le ballon qui va sortir. Il a touché le ballon, hein. Oui, il n'a pas frappé. Hein. Il l'a touché. Il l'a touché avec sa tête. Hein. Avec le haut du crâne, c'est pour ça qu'il n'a pas pu la cadrer ou changer la trajectoire de ce ballon. Corner à suivre pour Biskra. Alors qu'on joue la 40e minute de jeu. Corner, la tête, et elle passe au-dessus. Sortie de but. C'était Bali. On n'est pas précis. On manque le cadre du côté de Biskra depuis le début du match, que ce soit de loin ou de près, de la tête ou des pieds. Il faut varier le jeu, hein. Il faut varier les attaques. Hein. Mauvais dégagement, récupération de Bali. On insiste beaucoup sur la profondeur. Insiste beaucoup sur la profondeur. Pour qui ce ballon ? Voilà. Aucune précision, il s'excuse. En tout cas, ça va crier fort dans les vestiaires de Biskra à la mi-temps. Je peux vous le garantir, connaissant la personnalité. J'espère bien que ça va changer, hein. Surtout dans le placement. Hein, sur le plan défensif aussi, où ils se sont fait souvent surprendre. Ça reste à désirer quand même. Et la pression. Et encore une fois, Itala qui tente la talonnade. Oui, c'est encore lui. Pour l'instant, dans le duel, Itala Lakhdari, c'est l'attaquant de l'Bayot qui gagne les duels au pourcentage, en tout cas au point, comme en boxe. Mais quand même, il y a un joueur qui manque beaucoup, un défenseur qui manque beaucoup à Lius Biskra aujourd'hui dans ce match. Hein. C'est Nasser Khouled. C'est Khouled, voilà. Le capitaine emblématique. C'est le capitaine. Hein. L'ancien capitaine de l'USMA, le natif de la ville de Biskra. Qui est le symbole de cette équipe. Et ce ballon de défenseur qui se met à deux pour aller chercher peut-être c'était Boukaroum. Et le ballon qui sort au profit de la défense. Plus que 3 minutes à jouer dans cette première période. Belkacemi qui revient s'appuyer sur Zernoun. On change de côté. Hamoudi qui donne là-bas pour Boukaroum. En 1-2 pour Douaji.
On joue dans le côté droit, on revient derrière, pas de solution. Adouane. Et voilà, il faut décaler, il faut proposer. Lardari. Il ferme tous les couloirs. Pas d'espace, très peu d'espace, très peu d'espace. Très peu d'espace et moins d'appui. Hein. Il faut chercher des appuis, là, il faut chercher des appuis. Hein. Rasmi qui oublie la tête, très intelligent. Il va croiser. Il est parti, il provoque la faute. Quel joueur. Il y a trois défenseurs autour de lui et c'est lui qui garde le bénéfice du ballon. Il obtient le coup franc. Il a très bien joué quand même. Il a gardé le ballon. Hein. Et pousse à la dernière minute. Il a eu ce qu'il voulait. Exactement. Il a eu ce qu'il voulait. Regardez comment on va la revoir à la dernière minute quand il sait qu'il va perdre le ballon. Il donne ce petit coup de pied pour obliger le défenseur à faire la faute. Bien joué. Avec un carton de plus. Hein. Il les rend fous depuis le début de ce match. Au sifflet, dit Monsieur Boukouassa. Ben Miloud est devant le ballon. Individuellement, ils sont très bons, les joueurs d'Al Bayyad. Hein. Et voilà. Il s'est retourné. Il a parlé à son entraîneur qui est juste à 4 mètres de lui. Et il va botter. Pied gauche, enveloppé. Point de pénalty, premier poteau. Trop court ce ballon. Il va lui revenir, Ben Miloud. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser sortir en touche pour ne pas avoir à faire le duel avec Belkacemi. Et Berriah pour la touche. Berriah, bien transmis pour Ben Miloud. Il lève la tête. Ben Miloud qui tente le crochet. La roulette, ça ne marchera pas et ça va repartir de l'autre mais côté. Allez, c'est le moment. Hein. Difficile de faire une roulette sur genre de pelouse. Et le ballon perdu, récupéré par le capitaine Barca. Et ça repart, intérieur, extérieur de Belalibi. Il n'est pas passé, mais il obtient la touche, Belalibi. Alors on va voir deux minutes de temps additionnel. Farid Belala, encore 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Il n'y avait pas beaucoup d'arrêts de jeu. Hein. Ouais. Un match plein. Comme on dit, un jeu ouvert complètement avec Bala qui va essayer de partir. Bali tout seul, il passe Barca, mais il passera pas. Le numéro 26, Bouchicha, et la touche, elle est pour Belkacemi. Hamoudaki revient vers Adouane. Hamoudi encore, il revient encore en 1-2. Contrôle, tente de se. Oh là là, on aveugle. Sans je sais pas ce qu'il voulait faire. Sans voir et il était très mal voir, vu. Voilà. Très mal vu. Et c'est le numéro 17, c'est Bukaro. C'est dans les attaques, il faut quand on enchaîne nos attaques, c'est-à-dire je pars du Luis Biscra, il faut chercher les appuis, il faut aller le soutenir. Et le troisième ou bien un quatrième homme qui fait un appel, c'est ça, il faut combiner. On joue très simplement, on joue toujours sur la profondeur et dans les centres. En tout cas, en deuxième mi-temps, pour l'instant, il y a une équipe qui se comporte bien, c'est le Bayat. Et Zardou, il devrait corriger. Attention à ce compte peut-être, contre le cours du jeu, peut-être pour ouvrir le score. À quelques secondes de la mi-temps, la frappe. Et un pied d'un défenseur avec Barca qui va récupérer. Et normalement, l'arbitre qui ne va pas tarder à siffler. La première mi-temps, et je vous l'ai dit, Zardou doit régler un problème en défense et un problème dans l'organisation offensive. Voilà. Coup de sifflet, la mi-temps, avant même les 2 minutes, sifflé par M. Boukouassa. Votre analyse en 1 minute de cette première mi-temps. Voilà, si on part du comportement des deux équipes, je pense que le niveau était juste moyen. Un très bon comportement, surtout une très bonne organisation de la part de l'équipe de Al-Bayyad. L'USB n'arrive pas à trouver... Bali, c'est-à-dire que on jouait beaucoup plus sur la profondeur, on n'a jamais essayé de jouer sur le deux couloirs, j'espère bien, ou bien les demi-espaces, j'espère bien que M. Zardoud va essayer de changer au moins
ces automatismes alors, en attaque. En attendant la deuxième mi-temps et que M. Bukwesa puisse aller lui aussi se reposer dans les vestiaires, merci à toute l'équipe technique du quart numérique de la station de Constantine et à sa tête Naoufel Chaïta. On se retrouve après la page de pub et une petite pause de 15 minutes pour la seconde période. À tout à l'heure.
Dos à dos, 0 à 0, comme vous le voyez, en haut de l'écran, après 45 minutes. Une équipe d'Al Bayad qui a pris le dessus, il faut le dire, sur cette équipe de Biskra. Et certainement un changement. 27. On va voir s'il y a eu des changements en seconde mi-temps, notamment du côté de Biskra. Et on les voit, voilà, les fervents supporters de Biskra. Il faut dire que le club de Biskra souffre aussi du côté financier. Les joueurs n'ont pas été payés depuis plusieurs mois. Et les supporters qui savent ce que leur équipe endure, eh bien, ils ont demandé à ce qu'on les aide, tout simplement. Ils sont même venus nous voir. Et ça se comprend, même si leur équipe se défend bien en championnat. Belles images, hein, belles images, Falid, de cette équipe, de ses supporters, de l'US Biskra, de l'équipe. C'est motivant pour les joueurs. Eh bien, ils en ont besoin, c'est peut-être ce qu'il faut. Surtout pour cette première mi-temps. Après cette première mi-temps, et ça va repartir rapidement. Est-ce qu'il l'a vu? Il ne l'a pas vu dans son dos, cette passe. Bousselem n'a pas regardé la passe de Belkacemi. Et voilà, il s'excuse. Et là, ouais, ça, c'est le COP supporter du virage, juste à côté du tableau d'affichage. Voilà, monsieur Boukouassa, Lies, l'arbitre de ce match. Bouchicha pour la touche. Rapidement joué. On va essayer entre les jambes. C'était bien fait de la part de Belmiloud. Et il obtient la faute. Alors vous allez regarder avec moi s'il y a eu des changements. Vous regardez les numéros. Le chargé de communication de Biskra est venu nous donner le numéro de Abbas qui est sur le banc. Alors je ne sais pas s'il est rentré à Abbas ou pas. On va voir. Et je crois que le 27 est sur la pelouse. On va voir. Et on va vérifier qui est sorti. Si Bel Abbas est là. Abbas plutôt. Abdelnour Abbas. Alors on va vous le confirmer dans quelques instants. Et les supporters qui donnent de la voix. Un long ballon. Sorti par la défense. Télescopage de deux défenseurs. Il reste au sol. Et le contre pour Biskra. L'arbitre n'arrête pas le jeu, il ne veut pas regarder. Ça repart de l'autre côté. Attention, peut-être qu'une occasion de but. Il rate complètement son contrôle. Encore une fois, cause la pelouse. Il faut sortir le ballon. Un long ballon et la défense tranquillement de la poitrine. Et il dégage très loin. Il a deux joueurs à terre, regarde. Il aurait dû l'arbitre, monsieur. Il commence à arrêter l'action. Alors, Boukouassa n'a pas évalué peut-être la gravité du choc et du télescopage entre les deux joueurs. Et voilà, on est furieux sur le banc d'Al Bayad. Les deux joueurs restent à terre. On va peut-être revoir Naoufel Chaïta, ce télescopage. C'était deux défenseurs qui sont venus disputer le ballon. Allez, il faut se calmer et on regarde. Et la ah oui, c'est tête contre tête. Ouh là là, voilà. Falid. Ils se sont donné un coup de tête, tous les deux, crâne contre crâne. J'espère bien que ce ne sera pas grave. Hein. Alors, il faut se calmer, messieurs Zermon. C'est pas la faute des joueurs de Biskra si l'arbitre leur a dit de continuer à jouer. C'est lui qui aurait dû peut-être... Carton rouge. Expulsion. Pour le numéro 5. Pour Barca, pour contestation, carton rouge direct. Je ne sais pas s'il avait pris un carton. Je ne l'avais pas vu dans la confusion. Merci Naoufel. Et là, c'est l'arbitre qui est en train de perdre un peu le contrôle du match. Hein. Mais il aurait dû. Avec cette expulsion, il aurait dû accepter. Même c'est, la santé des joueurs, c'est avant tout. C'est une priorité. C'est une priorité. Hein. Et Barca qui n'en revient pas. Alors,
est-ce que ça va, Zerdoud également rentrer sur la pelouse pour calmer les esprits. On discute avec monsieur Boukouassa et on lui demande pourquoi. Alors on va regarder. Regardez, tête contre tête. Bing. Et voilà, le choc pour... C'est entre les deux joueurs d'El Bayed. Hein. Oui, le choc de Berriah qui reste au sol. C'est tête à tête, ça. Alors, on discute avec l'arbitre qui n'a peut-être pas vu. On la regarde. Voilà, Berriah et Amaouche. Les deux sont au sol, complètement groggy, se sont relevés. Alhamdoulilah, plus de peur que de mal, c'est plus important. Hein. Alhamdoulilah, enfin, c'est l'essentiel, hein. C'est le sou pour nos amis d'El Bayeda. Ils ont déjà sur le choc. Hein. Et ils sont encore sous le choc. Et on voit le grand Mézaïr, l'ancien gardien de l'équipe nationale, et qui est l'entraîneur des gardiens, El Bayed. Et voilà, il demande à ce qu'on évacue le terrain. Et les joueurs d'El Bayed qui certainement lui demandent des explications sur l'expulsion du capitaine. Barca qui est complètement sonné. Il ne sait plus ce qui lui arrive. Il ne réalise pas qu'il est... Alors que l'équipe était bien en place, équilibrée. Et là, ça va peut-être un petit peu déséquilibrer le match alors qu'on joue la 51e minute de jeu. C'est un tournant, hein. C'est un tournant. C'est le tournant des matchs. Hein. C'est le tournant des matchs. Hein. Voilà, Barca, voilà. Qui se ressaisit, qui reprend ses esprits et qui va aller au vestiaire sous les applaudissements. Alors, vestiaire ou le banc? Il va aller sur le banc, peut-être qu'il va rester avec ses coéquipiers. Normalement, la réglementation exige qu'il aille au vestiaire, hein, si je ne me trompe pas. Si, si. Il faut qu'il aille directement au vestiaire. Souvenez-vous. Voilà, il lui demande... Voilà, monsieur Barca, vous quittez le stade. Il est toujours sur le banc de touche. Et voilà, il perd pas le nord, hein, monsieur Boukouassa. Et voilà, il va au vestiaire. C'est terminé. La douche. Et il pourra peut-être rester dans le couloir, hein, pour regarder la fin du match. Le capitaine Barca, on va voir à qui il a donné le brassard dans quelques instants. Ah oui, il est frustré. Pour lui, c'est une grande injustice. Mais c'est ça le football. Et le jeu va reprendre. La touche a été mal jouée à refaire, dit monsieur Boukouassa. Et on va voir qui a hérité du brassard. Tout simplement, c'est Antar, hein, le numéro 8, qui porte le brassard. Et ça va repartir avec une supériorité numérique pour les biscuits depuis la 51e minute de jeu. Après l'expulsion de Barca pour contestation de décision. Ou plutôt pour contestation de non-décision d'arrêter le jeu. C'est plutôt ça qui a fait sortir le capitaine de ses gonds. C'est ça, on a déjà parlé de ça. Et le brassard, on le voit autour du bras de Antar. Il y a un conférence très intéressant pour Dios Biscara. Alors, et pourtant, c'était le capitaine de la défense, Barca. Il faudrait se réorganiser maintenant avec cette infériorité numérique du côté du Mouloudia, d'El Bayed. Et coup franc à suivre. Qui va sortir vainqueur de ce choc entre Biskra et le Mouloudia d'El Bayed? Il va frapper très fort. Le soleil est dans les yeux du tireur et dans le dos du gardien. Enveloppé très fort. Je crois que c'est l'attaquant qui a dévié le ballon de sa trajectoire. Mais quand même, il a bien joué. Hein. Bien tiré, très fort. Devant le but, c'est ce qu'il fallait faire. Et ça va repartir de l'autre côté. L'Akhdari. Mais il faut sortir le ballon rapidement. Essayez de mettre un peu de rythme.
Et attention à cette bête blessée, ils étaient bons à 11, ils peuvent être encore plus solidaires à 10 et défendre encore plus. Peut-être qu'ils vont moins attaquer, mais en tout cas, ils vont être sur tous les ballons. Notamment Itala, qui a les jambes un peu plus lourdes hein, qu'en première mi-temps. Il a beaucoup couru. L'arbitre ne dit rien. L'attaquant Biskri reste au sol et le ballon qui sort en sortie de but. Il attend but tout seul. Hein. On renvoie le coup franc très fort. Alors, qui a touché ce ballon? Ah ben, c'est l'attaquant qui a mal... C'est l'attaquant Biskri qui a mal contrôlé le ballon. Mal contrôlé le ballon. Dans, il voulait faire une tête plongeante. Il a touché avec son pied. Et voilà donc ce cop des supporters de génération en génération derrière leur équipe de l'Union de Biskra. Et ça va repartir. On a un peu plus d'espace maintenant. On devrait se trouver un peu plus facilement. Itala, encore une fois Itala qui va chipper les ballons et la touche. Rapidement joué. Et sorti par Antar. On joue plus vite. L'équipe de l'Albaïd a changé son système après le carton rouge de Barca. Actuellement, il jouait en 4-4-1. 4-4-1, donc il y a seulement Itala en pointe et en premier défenseur et deux blocs. Médian défensif. Avec deux lignes. Exactement. Hein. Et voilà pour essayer de rester aussi compact que possible. Et le ballon, tout de suite, le centre, complètement raté pour l'instant. Ils ne sont pas précis hein, dans leur centre, que ce soit Belkacem d'un côté ou Boukaroum de l'autre. Belkacmi, pardon, et Boukaroum. Et le voilà, ça c'est le frère. Hein. C'est le frère de Nasser Khouald, c'est l'Arbi Khouald. C'est l'Arbi Khouald. Khouald, lui, est blessé. On est parti s'enquérir de sa santé. Il n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui. Son frère est là. Mais il manque beaucoup à l'équipe. Hein. D'après ce que je vois, il manque beaucoup à l'équipe. Hein. Défensivement, en tout cas. Défensivement et surtout sur le plan motivation. Hein. Il est, c'est le joueur qui parle beaucoup, qui crie beaucoup. Qui motive beaucoup ses coéquipiers. Hein. Et il est excellent dans la relance. Mmh. Attention, c'est parti avec Itala. Dans les duels aussi. Hein. Itala qui, cette fois-ci, voulait s'appuyer sur... De toute façon, c'est un très bon défenseur. Hein. Malgré son poste, malgré les poids de son âge. Le poids des années. Voilà, le poids des années, mais il est toujours égal à lui-même. Pas de but, mais plaisante cette partie où l'adversaire des Biskri aujourd'hui est pas du tout facile à manier. Quel tacle de Antab. C'est une réponse. Ah là c'est Itala, je pense. Oui, c'est Itala. Ramdan. Alors il souffre. Il parle à l'arbitre. Il a déjà la main bandée. Il a été touché en première période. Alors, Je pense que le coach Zerdoud va rajouter un autre attaquant avec Bali. Hein. Il est obligé maintenant pour être en surnombre pour essayer de déséquilibrer. À mon avis, c'est un avis personnel. Hein. Et Blaïd, lui maintenant, il a des soucis. Blaïd, il faut jouer. C'est le moment de rajouter un autre attaquant. Jouer sur les deux couloirs quand même. Il a et laisser à Boukaroum le couloir de Roi carrément pour lui. Et du côté de Blaïd, Blaïd a rappelé. Il lui a parlé, peut-être pour donner des consignes. On ne se fait pas de cadeaux hein, dans les duels. Ah, le staff de l'Bayat qui discute avec Yes Boukouassa et le sourire très diplomatique de l'arbitre. Et la touche. Non, c'est concernant l'arbitre, à part l'action du joueur blessé, il est très correct ça. Il est juste sur tes décisions. Très juste. Pour l'instant, il ne s'est pas trompé, en tout cas dans les décisions les plus importantes. Maintenant, on connaît les consignes de la fédération sur la commission d'arbitrage. Attention aux contestations de décision. On ne pardonne plus et c'est les joueurs qui payent l'amende. Qui payent l'amende, voilà. Donc Barca, après la frustration, il va y aller de sa poche. Et long ballon. Et ça revient à l'Akhdari.
Allez, il a d'espace, l'Akhdari. Il a été malmené par Hitala. On voilà, le sent, Hitala. On essaie de chercher le joueur le plus près. Hein. Ne cherchez pas le joueur le plus loin, surtout. Hein. Mais on voit qu'avec cette pelouse, on ne peut pas s'exprimer techniquement. Hein. Les joueurs individuellement ont du mal à enchaîner les dribbles. Non, quand on a de l'espace, regardez cette passe-là. C'est quand on a de l'espace, on n'a pas de problème. Hein. Et là, on est tout de suite repoussé hein, par le défenseur. Le problème, c'est de jouer dans un espace réduit. Restreint. Hein. L'Akhdari, il a de l'espace, l'Akhdari. Il devrait avancer. Pour qui cette balle ? En première intention. Attention, le centre pour qui ? Bien défendu. Bien joué quand même, bien joué. Bien joué, Khmeissi a quitté le premier. Il a coupé la trajectoire. Son gardien lui a parlé. Et voilà, on est obligé d'être solidaire. Il y a Barca qui manque. Il n'est plus là. Et voilà. Il y a un défenseur qui vient suppléer son gardien. Le centre, pour la première fois, ce centre est bien tendu, bien frappé. Et le plus loin du gardien, corner à suivre pour Biskra. Long corner, bien botté, le gardien est battu, l'attaquant aussi. Le centre, pas trop appuyé, le danger est encore pour les Verts et Noirs. On la met dans la boîte, la tête, il n'a même pas sauté pour essayer de smatcher ce ballon. L'Akhdari, c'était pas très bon comme décision. Il aurait dû sauter un petit peu pour un défenseur central et essayer de smatcher ce ballon. Il n'attendait pas le ballon quand même. On va la revoir. Là, elle passe premier poteau et elle va revenir. On va continuer l'action jusqu'à la fin. Regardez le centre et regardez l'Akhdari qui ne saute pas. Ou à peine. Et il a effleuré le ballon. Et cette équipe de Biskra qui est en train de chercher ses 3 points. Et qui sait qu'elle a une grosse occasion maintenant, qu'elle est en supériorité numérique pour aller chercher le CRB avant son choc demain face au leader dans le choc de cette journée. Superbe talonnade, encore une fois, de Hitala, certainement le meilleur joueur de l'Bayern d'aujourd'hui, qui tentait de trouver Belmiloud Kemal. C'est un joueur pétri de qualité technique, surtout technique. Belkacemi. Pour Hamoudi, Tayeb qui va changer de côté là-bas. Il cherche le numéro 7, Boussalem, trop court sur cette action, qui a fuyé, même s'il applaudit Hamoudi. Il faut être plus précis dans les transmissions. Difficile avec cette pelouse de jouer à terre. C'est pour ça qu'on joue de longs ballons comme ça, mais ce n'est pas non plus une solution. Exactement. Et on n'a pas trouvé une solution. Hein. Jusque-là, on n'a pas trouvé une solution. Pas de solution, c'est l'adjoint de Zardoud. Voilà, quel ballon qui est sur la main courante. Et là, on voit Abdelhak Belaïd qui doit maintenant solutionner une autre équation de 10 contre 11. Il avait peut-être la possibilité d'espérer 3 points, il faut gagner du terrain quand même, il faut gagner de l'espace. Alors je ne vous dis pas la tension dans laquelle est Farid Belala et cette équipe de Biskra qui ne trouve pas de solution même face à une équipe qui est à 10 pour l'instant. Allez, il faut aller avec le ballon. Et il a de l'espace. Il laisse passer, le contre est favorable, il demande la main, l'arbitre ne dit rien, le ballon revient encore une fois à l'Akhdari. On n'arrive plus à être sur la récupération ici sur le second ballon. Et on décale là-bas de l'autre côté pour Boukaroum qui passe, Boukaroum qui va essayer de centrer, va obtenir le corner. Boukaroum avec un changement dans quelques instants du côté de Biskra. Et l'arbitre donne une sortie de but. Alors, il va regarder la touche. Monsieur Boukouassa, normalement, il y a un petit bouton de sonnette qui va lui sonner dans l'oreillette. Alors, c'est le numéro 21 qui va... C'est Medden. Du côté... Alors, on va voir tout de suite. Pour l'instant, l'arbitre n'a pas encore autorisé le changement. Le ballon est toujours dans le rectangle. Oh, superbe la transmission de Hitala, la talonnade. Elle lui revient. Quel joueur, il a été deux fois au sol. Il reste, cette fois-ci, il a perdu le ballon, il était seul contre 3, mais il se bat comme un beau diable. Et le contre, maintenant, la montée de Zernoun.
qui décale. Trop long dans la transition. On n'est pas assez rapide comme ça dans le contre. Et on laisse le temps à cette équipe d'El Bayad de se replacer. Il faut mettre du rythme, Riyad. Et pour l'instant, depuis le début du match, on n'a pas vu de rythme du côté de Biskra. Les joueurs d'El Bayad sont fatigués. Hein. Douagi qui va mettre la balle dans le paquet, peut-être la tête, pas appuyée, juste à peine effleurée, pas assez pour être dangereuse. Cette balle de Bali, vous avez dit à la mi-temps qu'on n'arrivait pas à trouver Bali. Là, c'est peut-être la première fois qu'on trouve la tête, mais lui, il n'a pas... Il n'a pas frappé, il a passé. Hein. Dans la coordination. Il a une balle de relance. Voilà, il a pas armé, peut-être qu'il a hésité à mettre la poitrine. Attention à Belmiloud qui perd le ballon. Et on va se battre, il est parti se battre pour essayer de récupérer ce ballon. Quel duel, l'arbitre qui dit laisse jouer, pourtant il y avait un petit bras du côté de Antal. Il y avait une petite faute, mais l'arbitre n'a rien dit, la touche elle est pour Biskra. On a dépassé l'heure de jeu, on joue la 66e minute de jeu, et toujours ce 0-0. Ici, au stade de la Halia du 18 février à Biskra. À chaque fois que joue les transversales, on perd le ballon. Oh, superbe, avec l'intérieur du pied gauche. Il va y aller tout seul, peut-être. Oh, la transition, peut-être le but. Hors-jeu. Et l'hors-jeu signalé. Alors, je ne sais pas si on va le revoir, mais quelle action ça aurait pu être le coup de grâce ici à Biskra. Et le changement. Le voilà, et la sortie de Hammoudi. Et l'entrée de Medden. On va le revoir. Alors, il est hors-jeu. Il est hors-jeu à la passe. Il est hors-jeu. Hein. Bien vu. Medden Yassine qui remplace Hammoudi, le numéro 21. Un milieu de terrain défensif avec un milieu de terrain offensif. Alors, Zerdoud a l'occasion de tuer le match. Il lui reste, 23 minutes, 25 grosses minutes, on va dire, dans ce match. Mais on a vu que même à 10, cette équipe de l'Obrayet peut être dangereuse. Attention. Ils sont bien, bien en place. Hein. Un long ballon, le contrôle. Oh, superbe le contrôle et le centre enchaîné. Quelle action. Alors, est-ce que ça va se terminer? La frappe de loin, elle est cadrée. Ouais. Oh, elle passe au-dessus. Est-ce qu'il l'a touché, le gardien? Oui, il l'a touché. Et c'est un corner. Morsley. Il s'est blessé. Hein. Alors, il est mal retombé. Il s'est fait mal. Je pense qu'il... Regardez le contrôle. Oh, c'est superbe le contrôle avec le bout de la chaussure et enchaînement du centre. Contrôle de la poitrine. Ballon sorti et la frappe. Et elle a été touchée. Je crois qu'il tombe sur le bras. Il a bien tiré, Medden. Hein. Regardez le contrôle. Il a bien tiré. Hein. Oh, quelle action. Et l'enchaînement du centre. Hein. Superbe. Le contrôle de la poitrine et la frappe enchaînée. Et il la touche, le gardien. Il la touche et il tombe il sur le bras. Le il s'est blessé, je pense. Hein. Quelle action. Probablement la meilleure action de Biskra depuis le début du match. Superbe. On le voit à l'image, hein, Medden, qui donne un coup de fouet à cette équipe. L'enchaînement, contrôle. C'est un joueur plus offensif. Hein. Et centre. Il est frais aussi. Voilà, il cherche des solutions. Mounir Zerdoud en discussion avec son adjoint. Pour l'instant, il ne trouve pas le contrôle. Et sans se retourner, il centre ce ballon. Contrôle de la poitrine. Et la frappe. Il tombe sur le bras. Et le deuxième gardien qui s'échauffe à Riyad. Et le gardien... suppléant qui s'échauffe. Grosse pression hein, sur cette équipe qui a déjà perdu Barca. Et c'est le troisième gardien. Et hein. C'est le troisième gardien. C'est pour le premier gardien, Rabbi Yirhamou, Inch'Allah, Moussal. Zakaria Bouziani, Rabbi Yirhamou. Et Morsli qui reste au sol. Allez, est-ce qu'un petit spray de froid va. Et Mézaïr, l'entraîneur des gardiens qui est là, juste derrière. Et un changement. Changement du côté de.
Del Bayet. Alors, c'est le numéro, c'est le numéro 2. C'est Bouhoussi Abdeljalil. Bouhoussi Abdeljalil. Défenseur. Peut-être qu'on va essayer de bétonner derrière, hein, du côté de Bayet pour au moins garder ce score. C'est sûr, c'est sûr. Alors, le sûrement, jeu. On va rajouter un autre défenseur ou au moins, du moins un mais milieu qui, de terrain mais défensif. Qui on va sacrifier, c'est ça la question. Du moins un milieu de terrain défensif. Alors, Morsli s'est relevé. Puisque l'attaquant est toujours là. Alors, grosse discussion avec Bukwasa, les soigneurs et Morsli, qui finalement, plus de peur que de mal. Allez, corner à suivre. Et je pense que c'est Medden. Non, non, c'est Medden qui va le frapper. Corner, attention, la tête. Et le ballon est sorti par la défense. Est-ce qu'il va être récupéré? Il est récupéré. Contrôle. D'extérieur du pied, on revient derrière. Est-ce qu'on va tenter la frappe de loin ou plutôt une construction, une attaque placée? On va balancer là-bas, second poteau, sans problème. Cette fois-ci, les mains étaient fermes. Abdelkader Morsli. Il a été effleuré par l'attaquant. Mais il a pas vacillé, le gardien d'Al Bayad. Je pense que même un point est bon à prendre, hein, pour les joueurs d'Al Bayad. Ce serait même un exploit. Un exploit, hein. C'est prendre déjà un point après leur dramatique accident. Et l'expulsion de Barca aussi. Et il y a 10, c'est déjà... Attention, le match n'est pas terminé. Peut-être qu'il vient même de commencer ce match. Et la faute. Il reste au sol. C'est Siem, hein. Chilif Siem. Ou plutôt, oui, c'est Chilif Siem. Qui est déséquilibré. Il se tient le genou droit. Et changement du côté d'Al Bayad. C'est Bouhoussi qui va rentrer. Alors, qui va sortir? Bouhoussi, le numéro 2. Alors, il y a le brassard qui est tombé. Ça veut dire que probablement c'est Antar qui est sorti. Le numéro 7. Et c'est Belaribi qui sort. Hein. Alors, Belaribi qui sort. Mais c'est peut-être. Alors, c'est lui qui porte le brassard. Qui a défendu et la défense qui va obtenir la faute. Il a provoqué la faute. Le défenseur. Il va prendre un carton s'il continue. Il va prendre un carton. Et voilà, on vient lui dire de se taire. Je comprends pas quand on rouspète comme ça, parce que la décision, elle est déjà prise, elle ne changera pas. Et la seule chose qu'on peut obtenir, c'est le carton. C'est un carton. C'était Belkacemi. C'est Belkacemi, hein. Cette équipe de Biskra est sous pression parce qu'elle sait qu'elle doit remporter ce match pour rester en haut du tableau et pour jouer le podium, peut-être, pourquoi pas, pour cette équipe de Biskra, même si elle a beaucoup de soucis au niveau financier. Et surtout avec 5 matchs à domicile. Et regardez l'arbitre qui lui met le doigt dans le visage pour lui dire de se taire. Et son coéquipier, c'est des images qu'on ne devrait pas voir, Farid. Pas voir sur un terrain de football. Et c'est bien dommage, Ariel. Et on voit cette tête de Lardari, joueur qui reste au sol. Un geste gratuit. Et faute à suivre. Ce ballon dans la boîte, il faut rester concentré, la tête et corner. On demande une faute, mais non, il y avait une tête biscrit, c'est Bali. Et c'est un corner. Et corner à suivre. Encore une occasion pour les. En infériorité pour les joueurs de l'Bayad de mettre la pression sur cette défense aujourd'hui très flottante de Biskra. Quand même, ils sont bien tranquilles, ils sont bien en place. Hein. Malgré l'infériorité numérique. Belmiloud
pour botter ce coup franc. Il sera... Mais il perd la, le bénéfice de la touche. Pour Boukalom, qui la joue rapidement. Et on va repartir. Il y a des espaces, les jambes sont plus lourdes. On est fatigué du côté de l'Bayat. On va essayer de les surprendre du côté de Biskra. Et ça repart. Côté droit. En 1-2. Le dit l'arbitre, la touche, elle sera pour les Verts. Levez-vous, messieurs, et on joue. Il faut jouer vite. Hein. Belkacemi qui est presque sorti du match depuis son altercation avec l'arbitre. Le ballon pour les Verts, on change de côté. Bien défendu. Pour la mettre dans la surface, peut-être la tête. Une petite poussette, que dit l'arbitre? Il y a faute. Je pense que... Moi, c'est... j'aimerais bien la revoir. Bali, c'est le défenseur. Hein. Bali qui a fait la faute, qui a fauté sur le défenseur. On regarde. Alors, il faut voir la première faute. Regardez. Est-ce qu'il n'y a pas une poussette dans le dos? Assez confus. Et voilà, on sait qu'il est énervé, donc on le sort. Belkacemi sort. Belkacemi sort. Je pense, je crois que c'est Delfellou. Khalil Delfellou à la place de Belkacemi. Et voilà, une bonne douche, ça fera du bien à Belkacemi. Un autre attaquant, hein, à la place d'un défenseur. Enfin, un défenseur en arrière latéral. Alors, il y a un Delfellou à Biskra et un autre Serbe. Il y a un Belkacemi à Biskra et un autre à l'USMA. Je pense que c'est des cousins. Hein. Voilà. Ballon toujours pour cette omni-possession de balle de Biskra depuis l'expulsion de Barca. Il a essayé de faire un numéro de soliste, mais c'était trop égoïste. Et le ballon est récupéré. Ça va repartir de l'autre côté avec Hitala, seul comme un beau diable, qui va se battre. Quelle générosité dans l'effort. Quelle générosité ce joueur. Il se bat pour son club. Moi, il m'impressionne, sincèrement, il m'impressionne. Tout seul à se battre, en plus, en infériorité numérique. Depuis l'expulsion de Barca. Il en revient, des fois, à 5 défenseurs, avec 3 actions. Et voilà. Ça, c'est un appui, il faut s'appuyer sur un joueur. Attention. Et il faut s'appuyer sur un joueur. Voilà, il a le contre favorable, il va peut-être frapper. Là, il va cadrer. Il a mis le ballon sur son mauvais pied. Et au lieu du dribbler intérieur, extérieur, pour tirer avec son beau pied. Hein. Et voilà encore une occasion. Il a contrôlé le ballon avec son intérieur pour le mettre sur la gauche qui sont le pied faible. En fait, il voulait s'ouvrir le but, mais c'était le mauvais pied. Voilà. Attention, encore il une fois. Il a mis le ballon sur le mauvais centre, pied. Le centre, un petit peu n'importe comment pour personne. Et ça va ressortir encore une fois. C'est de l'attaque-défense hein, depuis quelques minutes. 4 défenseurs sur un seul attaquant. Regarde la défense de Biskra. Et les supporters qui donnent de la voix. Il reste 10 minutes dans ce match. Allez, avec le ballon, non. La frappe de loin, personne. La muraille blanche. Ne cherchez pas les transversaux, ne cherchez pas les barrières, les centres. Allez avec le ballon, il faut aller provoquer. S'appuyer sur un joueur. Et les 10 dernières minutes, est-ce que le Bayet va réussir à arracher ce point précieux avec autant d'acharnement et de solidarité? Est-ce que Biskra va pouvoir s'imposer sur sa pelouse? Le centre complètement raté, la défense qui va pouvoir se dégager. Mais Hitala est trop esselé et il y a encore un changement qui se prépare du côté de l'Bayat. Le numéro 6. Du côté de l'Bayat. On l'a pas sur la feuille de match. Généreux le joueur d'Albaïs dans l'effort. Hein.
regarde cette action. Regardez, Smith sur son mauvais pied et il rate complètement sa frappe. Voilà, changement. On va vous dire tout de suite le nom du numéro 6, parce qu'il n'est pas sur la feuille de match, le numéro 6. Sorti de Antal cette fois-ci. Et c'est Abbas qui rentre, le numéro 6. Il a sorti de Antal Amin, le numéro 8. Antal qui sort et Abbas qui rentre. Et c'est Abbas Abdelnour qui rentre. Hein. Voilà, finalement, ce n'est pas le 27, mais c'est le 6. Ce n'est pas le 27, c'est le numéro 6. Long ballon. On joue les dernières minutes complètement manqué. Non, peut-être. Il récupère. Est-ce qu'il est sorti? Oui, il est sorti. Il est sorti, ce ballon. Et Mansli qui remet les deux genoux à terre. Alors, question... Il s'en va énerver. À tout 50 le monde, dinars, hein. Est-ce qu'il a mal ou est-ce qu'il joue la montre? Justement. Un peu les deux. Il joue le temps. Hein. Il joue la montre. Alors, voilà, ça c'est le règlement. Est-ce qu'il va prendre un carton? Sûrement. Hein. Mais en tout cas, il n'a pas de choix, l'arbitre, parce que contre le gardien, c'est le seul joueur qui a le droit de se faire soigner sur la pelouse. Mais il l'avertit quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il a été touché ou pas? Ou bien c'est le numéro 12. Hein. Alors, on va revoir l'action. En fait, il est tombé sans choc. Voilà, il est tombé tout seul. Alors, est-ce qu'il a mal? Sans que personne le touche. Alors, s'il est vraiment touché, il peut demander de changement à l'arbitre. Mmh. Voilà. Peut-être que ce sont les douleurs du choc sur la frappe et la claquette tout à l'heure. D'une action précédente. Alors, est-ce qu'il va rester sur la pelouse? Tout à l'heure, le gardien était en train de s'échauffer. Le troisième gardien du côté de... Et on joue déjà presque à la 84e minute. Hein. Il va essayer de grignoter des minutes. Discussion avec les joueurs de Biskra. Mais ça énerve, Yazid, ça énerve. Hein. Mais c'est peut-être aussi un peu le but, parce qu'ils savent qu'ils sont dominés, ils n'arrivent plus à faire le jeu, donc ils essaient un peu de casser le rythme. Un temps de récupération pour ces coquilles. Voilà. C'est pas très sportif, voilà. Mais c'est légitime. Et voilà, et il prend son carton, voilà, avec le sourire, très diplomate, monsieur Boukouassa, je vous laisse vous reposer, mais vous prenez le carton. Mais c'est pas fair play quand même, hein. Voilà, cette équipe de Bayet, peut-être qu'il ne trouve plus de solution, en tout cas dans le jeu. Et voilà, je vous l'ai dit, hein, le gardien, c'est le seul joueur de champ qui a le droit de se faire soigner sur la pelouse et pas sortir. Parce que, bien sûr, le jeu ne peut pas se poursuivre. Sans gardien de but. Et voilà, il prend tout son temps pour remettre ses scratchs de gants. Et voilà. Et ça repart tout de suite. Récupération des verts. Meddan. Yacine, Meddan, très bon balle au pied. Voilà, il va lui se mettre sur son bon pied. Superbe le centre, il est bien enveloppé. Mais personne à la retombée de ce ballon. Et encore une fois, et cette fois-ci, il sait qu'il ne peut pas rester à terre parce que sinon ce sera le rouge pour Morsley. Et il va dégager très loin, plus loin possible, pour essayer de trouver Hitala en 1-2. Il va peut-être y aller tout seul. Le crochet intérieur, il va y aller. Il va provoquer, chercher le pénalty. Il ne l'aura pas. Il aurait dû peut-être aller au bout. Il n'a plus les jambes de la première mi-temps, hein, Hitala. Ils sont tous fatigués, les joueurs d'El Bayed. Hein, mais ils sont généreux quand même dans l'effort. Hein. Très généreux dans l'effort. Là aussi, il était seul. Il aurait pu faire un numéro en solo.
mais il n'a pas eu la force. Le ballon pour Biskra, le centre, il est dévié. Pour qui? Pour personne. Et au rebond, il y a le gardien, Morsi. On joue toujours les attaquants du Biskra ou bien les défenseurs. Très stéréotypé, très stéréotypé, voilà. Le jeu. Si on s'adapte, vous donnez une adaptation aux défenseurs d'Albaïd. Oui, il a passé le premier, mais il n'a pas passé le deuxième rideau défensif. Regardez, il passe le premier, mais bien défendu de la part de Boukarom, qui lui est le premier sur le ballon. Il n'y avait pas de faute, hein, rien à dire. Attention encore une fois, ballon perdu. Et Talas qui a le ballon contre favorable. Il va y aller, il n'a pas les jambes pour aller au sprint. Il n'en peut plus. Et Mellala, Oussama, ça vient d'un côté, ça repart de l'autre. Et les projecteurs du stade du 18 février qui s'allument ici, sous le ciel bleu de Biskra. Attention peut-être à un des derniers centres. Cette fois-ci, il est bien tiré, ce centre, et la bonne sortie de Morsley. Salvateur. Héroïque cette équipe. Héroïque et courageuse. Bravo à cette équipe. Et des changements pour Lius Biskra et l'équipe d'Albaïd. Alors, les derniers changements. Je pense que c'est l'Arbi Khouald. Voilà. L'Arbi Khouald qui va rentrer. Il est attaquant de pointe. Un autre attaquant. Hein. Il veut tuer le match, Zardoud. Il veut tuer le match. Et de l'autre côté, c'est un défenseur. Sûrement un défenseur ou un milieu défensif. Hein. Alors, c'est Rennam du côté d'Albaïd. Et Khouald. L'Arbi du côté. Allez, il faut gagner du terrain. Allez, il n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Il va décaler sur le côté. À gauche. Toujours à gauche. Et on va chercher la boîte. Mais est-ce qu'il y aura un Biskri à la retombée? Il y aura quand même un corner pour Biskra. Et deux changements. Deux changements. Fallait à deux minutes, même pas deux minutes. Une minute trente de la fin du temps réglementaire. Khouald est rentré. Et il y a un joueur qui est sorti, voilà, il est sorti de l'autre côté. On va vérifier qui est sorti du côté de Biskra. Et on va voir son numéro. Allez, on va voir celui qui est sur la touche. Parce que je pense que c'est le Kasmi, déjà sorti. C'est Bali. C'est Bali, le 25, qui sort. Et c'est Khouald Arbi qui rentre. Rennem est rentré. C'est le joueur d'Albaïd qui sort. Hein. Il est de l'autre côté de la pelouse, on va le voir tout à l'heure. Il est au niveau du poteau de corner. Voilà, et on crie Mezahir qui est en train de replacer tous ses défenseurs. La tête salvatrice d'un défenseur, ça revient. Attention, il rate son contrôle. Il la remet dans la boîte. Khouald est là, il ne la touche pas. La frappe, et c'est bien défendu. Un grand coup de pied pour se donner de l'air du côté d'Albaïd. Et ça va repartir. Attention, énorme pression sur la défense d'Albaïd. Encore une fois, contrôle. Il y a une poussette. Il y a faute, monsieur l'arbitre, ici. Là, il y a faute. Il ne l'a pas sifflé. Et le long dégagement. 6 minutes. Khalid Belala. 6 minutes à jouer encore. 6 minutes, c'est beaucoup de temps quand c'est même. C'est beaucoup, hein. Et pas assez, ça dépend. Ça dépend. Ils en ont eu 90 pour marquer un but, ça n'a pas suffi. Est-ce que ça va suffire pour l'USB? Et on défend courageusement, héroïquement, la tête de Khouald Arbi. Et voilà, le bisou sur le crâne du gardien Molsnik qui pour l'instant est impeccable. Regardez, la frappe déviée par la tête de Khouald. Et il était dans la trajectoire du ballon. Le bisou était signé Khmeissia, ou plutôt Amaouche. Regardez la frappe. Il la touche, Khouald, mais il l'effleure à peine. Et on va s'appuyer sur le gardien. Six minutes encore. Il en reste cinq. Ballon trop fuyant, trop profond, il va sortir ce ballon. En sortie de but, il n'y a plus les jambes, il n'y a plus les jambes du côté de Douaji. Même les joueurs du Lius Biskra sont fatigués. Hein. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts.
Et voilà, ça c'est Bouhoussi, le nouveau capitaine après l'expulsion de Barca. Et la sortie tout à l'heure de Antar, qui porte le brassard maintenant. Long ballon dévié, est-ce qu'il va la récupérer? Oui, Boukaloum, ou plutôt Bousselem. Medan revient derrière, Adouane qui décale pour l'Akhdari. Allez, l'Akhdari qui temporise un peu, et il va décaler, c'est trop lent, ça ne peut pas surprendre. Voilà, extérieur, intérieur, en centre, pour on cherche la tête de Khaled Larbi maintenant, hein, c'est clair. Hein. Voilà, les consignes, c'est jouer sur Khaled, les centres. Alors, est-ce que cette défense de l'Bayet va finir par flancher, par céder? Le centre, encore une fois, dans les bras, complètement manqué, ce centre. Complètement raté. De Morsliv vers le gardien. C'est du pain béni, regardez. Il dévisse, au lieu de la mettre sortante, en évitant le gardien, c'est-à-dire au point de pénalty. Il aurait dû la placer en deuxième poteau. Hein. On change, il faut varier, même si vous jouez avec, avec des centres. Déjà, les défenseurs d'Albaïd, ils ont fait une adaptation. Attention, Bousselem. Il va centrer encore une fois les défenseurs qui sont là. Ça passe pas comme ça, Riyad. Ça passe pas comme ça. Et attention au contre. Est-ce qu'il a encore la force de faire un sprint? Itala. Oh là là, ça c'est de la fatigue. Il était bon pourtant, Boutchicha. Et n'oublie pas, Riyad, qu'ils sont à 10. Hein. À 10 contre 11, le Bayat qui tient, il reste moins de 3 minutes. Attention peut-être à cette action. Le ballon qui rentre, mais il y avait un coup de sifflet avant faute. Au profit de la défense. De l'Bayat. Et oui, voilà. Là, il y a un coup de coude sur l'épaule pour prendre l'avantage. Bien arbitré, monsieur Boukouassa. C'était pas un match facile. Allez, il reste moins de deux minutes dans ce match. Et le Bayet qui tient son match nul. Et peut-être que les supporters de Biskra n'y croient plus. Il commence à quitter les gradins. Long dégagement. Contrôle de la poitrine. Alors, est-ce qu'ils vont arriver peut-être sur ce dernier assaut? Ils sont loin de la cage de Morsli. Il faut vite monter ce ballon s'ils espèrent marquer. Cette équipe d'Albayed est très généreuse, très courageuse dans l'effort. Peut-être ce centre, en première intention, la tête, elle est bien sortie, cette balle en corner. Quel courage. Cette fois-ci, je crois que c'est Blalibi qui l'a sorti, ce ballon. Et le dernier corner, peut-être, de cette partie. On va atteindre la 96e corner, bien frappé, enveloppé, pour qui la tête déviée. Recorner, j'avais dit le dernier, ben je me suis trompé. Il y en aura encore un. Quelques secondes. A'oudou billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé Mag dans lequel nous abordons une thématique qui nous laisse souvent sans réponse. Ce soir, nous parlons d'autisme, appelé également TSA, ce trouble du spectre autistique, duquel nous ignorons presque tout. Les chiffres sont effarants, on parle à peu près d'un enfant sur 100 qui serait atteint d'autisme en Algérie. Avec nos invités, on se penchera sur la situation de ces enfants et de leurs parents, souvent désemparés ou malmenés par le manque flagrant de moyens de prise en charge. Comment reconnaît-on un enfant autiste? À quoi ressemble le quotidien de ses parents et comment surtout les accompagner au mieux pour assurer la meilleure autonomie et la meilleure évolution possible de leur enfant. Voilà le gros.